Et messieurs, dames, bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Draken sur Evasion Studio. On se retrouve ce soir pour faire du Valheim. Je ne serai pas tout seul, comme d'habitude, je suis accompagné de mes chers amis Jake, bonsoir Jake, Bonsoir. et de monsieur Imra, bonsoir monsieur Imra. Hello, hello. Et du coup, ce soir, on va farmer les plaines, normalement, puisqu'il nous faut du stuff pour le prochain boss qui s'appelle comment, Jack? Yaourt. Et voilà, Yao. Yaklus, bien évidemment. Alors, notre petit Valheim Touk. Comment allez-vous, messieurs? Je réponds sincèrement ou je réponds à moitié? Réponds à moitié. Oui, puisque Jake vient de se lever d'une petite sieste qui ne devait pas durer aussi longtemps, je pense. C'est ça. Alors, hop. Bon, du coup, on a fait un peu de farm en off, hein, bien évidemment. Bah, en off, il y a eu du farm, il y a eu de la construction, il y a Oui, eu c'est des vrai. trophées accrochés. Alors, Il petite y a eu un visite. bâtiment avec du confort 19. Alors, on va commencer par le bâtiment. Oh, vas-y, s'il te plaît. Allez, let's go. Une maison témoin Oui. que t'as quasiment emménagé dedans vu que t'as pris le lit. Oui, non, alors non, justement non. J'ai changé de lit. D'accord. Alors, ah, tiens, je peux avoir deux lits différents. Tu peux avoir deux lits différents, mais le dernier sur lequel tu cliques, c'est le dernier sur lequel tu réapparais. Ah, parce que tout à l'heure, je suis mort malencontreusement dans les plaines. J'ai apparu dans la petite maison. Je ne suis pas Ah apparu oui, dans en fait. celui-ci. La petite maison dans la prairie. Ah bah voilà. Oui, c'est parce que du coup. Donc voilà, nous avons un petit jacuzzi. Il y a encore assez de bois ou pas? Un petit bain à bulles. Petit Ouais, bain à bulles, ouais. Confort 19, ça aide pas mal avec les petites bannières là. Les quatre bannières au-dessus. c'est le maximum qu'on peut avoir pour le moment, le confort 19. Et pour avoir confort 19, déjà faut être dans une maison. Il Ouais. faut avoir un feu, mais surtout le grand feu, les quatre tapis différents, un grand lit dragon, un stand d'armure, un jacuzzi allumé, et pour l'allumer on met du bois derrière. Une belle table, soit la belle table ronde, soit la gigantesque table qu'on va vous montrer après. Un trône et une des bannières au choix. Et on a mis les quatre parce que pour l'instant il n'y a qu'une belle maison. Quand je vois les planches, c'est Ouais. va falloir mettre un toit en goudron. Hop, 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 J'ai voilà. peu, j'ai Et peu. pour le style, il y a une terrasse. Ah, j'avais pas vu la terrasse. Je savais même pas qu'il y avait une table ici, avec les chopes et tout. Bah oui. J'avais même pas vu. Ah, il y a un champignon. Prends le champignon, on a besoin. Donc ça, c'est le petit terrain en construction, hein, Ouais, évidemment. en face, il y aura une autre maison. C'est en construction, ne vous inquiétez Alors pas. que chacun a une maison. La salle de repos va sûrement finir par être une maison. J'ai les plans en tête pour faire du confort là-dedans. Attends, hop, voilà. Où tu es, petite là-bas. À l'entrée. Yes. Me voilà. À l'extérieur, nous avons Ah, j'ai les pas fait trophées des lui. premiers boss. Oui, monsieur. Ektir, Rectir. Ene, Masdos. Il n'y a pas encore Modère parce qu'on l'a fait qu'une seule fois. Oui, faudrait le. Il y aura Tu veux dire qu'on Modère la tue avec modération? et après il y aura Yaglus qu'on devra faire. On a Yaglus. Yaglus. On À a l'intérieur. changé également le toit. On a mis du toit en goudron Ouais, on a aussi. mis du toit goudron parce qu'on a trouvé du goudron dans un petit farm des plaines. Et tout Yes. autour de l'intérieur, on a les trophées en partant Oui. Alors attends, de la prairie, puis de on commence. la forêt noire. Voilà. Le sanglier, le cerf, le nyx. Ouais. Les nains gris. Puis les marais. Ah, j'aurais mis, tu vois, quand j'y repense, j'aurais mis le troll avant les squelettes. J'ai essayé de les mettre par niveau de difficulté. Ah, ok. Ah oui, ouais. Oh, bon, tu peux mettre le squelette tout au début, Non. hein. Quand même. Ouais. Donc là, après, ça, c'est le blop. Enfin, le trophée de sangsue, franchement, il me fait penser un peu au serpent dans Naruto. Je sais pas. Les différents drogueurs, le Sterling,
le trophée de spectre. En plus, le trophée d'abomination pile au-dessus du feu. Bah oui. Genre attention, tu sais ce qui te... ce que tu vas te taper. Les différents loups. La montagne. Hop. Le Fenrir, le cutiste de Fenrir, le Yulv. Ah oui, le Fenring. Et le golem de pierre, qui je trouve est franchement... Le golem de pierre. Le plus stylé, je trouve, le golem. Ici, par la suite, il y aura le serpent de mer. Ah oui, c'est vrai, oui. Quoi qu'on se le fasse. Là, il y a l'excroissance. Bien embêtante. Là, c'est le moustique. Le petit moustique, ouais. Et les gobelins. Différents gobelins. Puis après, il y aura les deux autres gobelins. Le Lox. Ah, ce sera normalement bon. C'est vrai qu'il y a le Lox. J'en ai pas chopé depuis. Bon, alors et... normalement. Tiens, ouais, vas-y, fini. Et j'allais dire la grande table, elle est là. Ah oui, ouais, on a mis tout notre sous-sous. Parce que, regardez, on a fait une petite piscine dessous. On va faire comme l'oncle Picsou. Et ensuite, c'est pas qu'on a agrandi la base, c'est juste que on a des nouveaux assauts qui sont assez dérangeants. Donc, il a fallu qu'on fasse certaines choses. Donc, il y a une muraille, en effet. Mais avant de faire la muraille, on s'est protégé d'une autre façon déjà. Oh, ah. T'as vu, c'est fermé en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais, franchement, faut faire. Oui, ouais, tu dois faire gaffe parce que. Alors on a creusé tout autour. Oui, c'est vrai, on a fait les douves. On a fait des douves. Ils sont très utiles. Alors, et le pire, bon, c'est... Pour nous, c'est moins utile, mais par contre, pour les ennemis, ça nous arrange bien. Parce que le pire, c'est que ça a marché parce que tout à l'heure. Alors attends, vais-je réussir? Mais regarde, Imra. T'as vu? Attends, regarde. Il faut que je réussisse là comme porte d'angle. T'as vu? Ah, punaise, je veux faire la blague. Je pense que c'est un traquenard. Hein. Oui, voilà. T'as vu, c'est fermé. Mmh. Oh, j'ouvre les portes. Aïeux. Eh ben non, c'est fermé. Ouais, fais bien gaffe. C'est trahi par le plafond. Comment oui. Ouais. C'est mine. Et du coup, les douves, ça a fonctionné parce que tout à l'heure, j'entends, enfin, pendant une demi-heure que j'étais à la maison, j'ai entendu le bruit d'un nagri. Et en fait, bah, le nagri, il était bloqué dans la douve. Ouais, mais des fois, il se perd en bas. Ouais. Ouais. Alors, on va montrer ton petit secret ou pas, Jack? Oui, oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Ouais. Donc, faut dire aussi, la muraille est faite en un bloc de pierre. Ouais. Il y a donc des trous sauvages qui peuvent popper par inadvertance quand on se baladera. Ah, t'as bien compris. Comment ça, il y a des trous? Bah, on a fait des trous pour récupérer la pierre. Ah. À un moment, on a bien fait des trous pour récupérer la pierre. Oui, je pensais qu'il y avait des trous dans la muraille. Non, c'est des trous au niveau du cuivre et autres. Donc ici, on a une petite prison. Donc, le coffre pour mettre notre stuff, hein, bien évidemment. Et la porte en fer. et Jake, c'est un sadique parce qu'on peut même pas regarder à travers la fenêtre. Non. Non, t'es prisonnier, t'as pas le droit. On peut pas regarder à travers la fenêtre. Et l'eau, quand il y a la tempête, l'eau elle monte, elle rentre à l'intérieur. Oui. Voilà. Je n'ai pas envie ça, de cliquer sur le coffre pour le prisonnier en fait. Le prisonnier il pose ses affaires, ouais. Et il va à poil là-bas, il se merde. Il va à poil. Faudrait que quand on a terminé, on active le PVP et puis. Allez, non, on... t'actives le PVP ça, et puis tu vas en prison. Ouais. Du coup, faisons le petit tour de la muraille. Sachant que de la muraille, il y a certains accès. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 accès du côté intérieur pour que si on est envahi, on puisse monter rapidement. Ah oui, ouais. Ouais, okay. Ah oui, ouais, les escaliers. Sur les accès principaux des tourelles de guet, il y a des coffres. Alors pour l'instant, ces coffres sont vides, mais ce sera des coffres qui auront vocation à avoir des flèches. Pour que si on n'est pas équipé, on n'a pas à passer à l'armurerie, on va directement sur les tours de guet, on s'équipe à ce moment-là. Donc là, les différents toits. Du coup, oui, tout à l'heure, j'ai fait le toit de la banque. Enfin, j'ai terminé les deux cases du toit de la banque. J'ai fait le toit de l'armurerie également. L'armurerie, ça va pas.
Non, tu parles de l'artisanat plutôt. Ouais, l'artisanat. Vous allez pas être content. J'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai pas pu faire tout pareil parce que avec les pointes, ça faisait pas beau. Mm. Et j'ai fait également le porte-ozone. Ok. Et il reste encore un peu de goudron. Ah bah tiens, bonjour le nagri. Lui, par contre, il a pas pour mauvais endroit, lui. Oui, il est juste en dessous. En plus, c'est les nagris qui lancent les cailloux. Dans le vide ou c'est moi? Oui, quand on est, en fait, il essaye de choper un stuff, enfin un spot pour nous lancer un caillou, mais on est trop haut. Du coup, il court partout. Allez, abrégeons ses souffrances. Oh, il bouge au dernier moment. Mince, j'ai visé la pierre. On va faire un nouveau jeu, on va faire un enclos de nagri. Puis on va faire le jeu du tir sur le nagri. Ah tiens Non, c'est dangereux les. T'as même mettre des barrières aussi autour des trous d'escalier. Ouais, c'est prévu. Par contre. Il y a des finitions à faire sur la muraille. Ouais. La muraille, elle est finalisée en termes de pierre. Mais Par contre ici il faudra rajouter un établi de pierre, je pense. Dans le coin. Là où je suis, parce que quand je peux pas réparer. Mais peut-être de plus loin, non? Ah oui, peut-être. Mais je sais pas si ça va faire le en dessous. Attends, j'attends que le mousse. Non, même là il veut pas. Il me dit établi requis. À l'angle tout en haut? Ouais. Donc, ouais, c'est normal. Je pense, ouais. Donc, on va mettre un sous l'escalier, on verra. Oh, ah, il y en a un qui est tombé dans les douves. Dans les douves, non. On voit qu'il y a un petit escalier. C'est pour laisser l'illusion. Il y a un X en plus en dessous. Ils spawnent tous au mauvais endroit. Spawnez dans les douves, les gens. Ah oui, il manque. Hop. Je répare un petit coup. Donc, du coup, ouais, on a fait vraiment le tour complet. Oui, c'était le petit passage pour les cochons. Nos feux cochons. Ouais, ils se sont fait tuer par un assaut de chauve-souris. Par un assaut de chauve-souris, ouais. Oh, t'as mis une table avec une planche. À la fin, j'avais pas vu. J'ai mis une table. Oui, t'as mis. Enfin, ça fait un poteau avec un tabouret. Comme ah si... oui, à la fin, comme oui, si oui, c'est... oui, c'est. Parce que du côté prison, il y a un banc. Et ici, c'est juste. Ça fait. Un tabouret. Mais il y a aussi un secret en dessous. Oh, attends, un secret en dessous. En dessous, faut passer par la porte. Ah oui. Ben, je vais savoir, vite. Attention aux dégâts. Ah, hop. Alors, where is the secret? Par là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est? Attention, danger, risque de noyade. Le risque est sérieux. Ah, on peut pas... Non, passe pas, justement, tu ne peux pas revenir. Bah, Dieu. Tu ne peux pas revenir. Non, tu sérieux. Garde. Non, mais... Bouquetin, technique à la bouquetin. Il n'y a pas de maître nageur. Hein. Technique à la bouquetin. Non, mais en plus, t'aurais dû... Tu mets un lit. Oui. C'est bien, ça nous entraîne pour nager. Je mets des panneaux de prévention, personne... Les règles sont très répétitives. Hein. Non, mais boire ou conduire, faut choisir. Hein. Je ne bois pas d'alcool. Je suis sobre, surtout quand on va partir sur de la plaine. Mais c'est vrai qu'il est encore là, lui. Je l'ai déplacé, il avait été cassé. Thor vous regarde d'un mauvais oeil. Ah ouais, tout ça parce que je l'ai activé alors que... Ah, donc quand tu l'actives et qu'il y a rien dedans, Thor, il t'engueule. Il a bien raison. Voyons voir ton toit qui va pas là. Oui, mais je t'ai dit, c'est le toit il est pas bon. On peut pas faire autrement en fait. Faut refaire. Ah, on peut pas. Faut refaire. C'est trop le bordel. Oui, c'est trop le bordel, oui. Ah, oui, c'est du. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Un style mosaïque quoi. Je pouvais pas faire autrement. C'est sinon. On refera, on y réfléchira. De toute façon, la forme de ce bâtiment est assez vicieuse. Ouais. Parce qu'en fait, avec la paille, ça allait. Parce que la paille, tu pouvais les empiler par-dessus et ça se voyait pas.
que là, avec les le goudron, comme ça fait des pics à chaque fois, ardoises, ouais. C'est un peu embêtant. Ça, du coup, je peux les ranger. Du coup, ouais, donc tout à l'heure, je disais, quand je suis parti me balader dans les plaines, je me suis pris une attaque de loup. Alors, elle a duré au moins 5 minutes. Un assaut ? Un assaut de loup. J'ai résisté, mais je suis mort. Heureusement. Dans les plaines, hein, pas ici. Dans les plaines, dans les plaines. Heureusement, il y avait des lox et des gobelins à côté. Donc les lox ont fait le travail. Du coup, j'ai pu récupérer pas mal de peau de loup, de viande de loup également. Même si ça nous sert pas trop. Mais au moins, c'est récupéré. Et voilà. Et normalement, si vous regardez sur votre carte. Alors, je sais pas si vous avez le portail Mont Blanc. Ouais. Normalement, vous avez un portail Orge à côté. Ouais. Vous avez une petite maison Orge V5. Et en dessous, du coup, il y a tout en bas, il y a un point où il est marqué Gobelin. Et je pense que ce serait cool qu'on puisse le faire parce que c'est un petit village gobelin. Mais il y a deux berserkers. La bagarre, ça me plaît ça. Donc je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas mourir en boucle. Mais il y a potentiellement des items pas mal dedans. Donc bah, si vous êtes chaud, moi je serais d'avis qu'on puisse y aller. Oui, je vous suis. Hein. Bah, les trucs. Alors, oui, on a fait pousser pas mal d'orge, donc on a récupéré pas mal d'orge. Également. La farine, ça monte assez vite, c'est cool. Moi, la nuit là, non? Oui. Ouais. Ah. Bah. Est-ce qu'on peut déjà faire des items en sombre acier? J'en sais rien. Je sais pas, attends. Faut regarder les plans, mais je pense que oui. Sombre acier. On peut faire un bouclier en sombre acier si vous. Celui qui veut. Il fait quoi? Ouais, valeur défensive un peu mieux. Pour le moment, je pense qu'on peut faire que le bouclier. On a assez. Celui qui veut. Moi, je reste pour le moment sur l'argent. Ouais, moi, je change parce que j'ai un. Comme j'ai l'arme à deux mains. Le souci, c'est que bah, il nous faut du fil, quoi. Quand on aura le fil, on va avoir. On va voir tout. Par contre, c'est quoi le bouclier ophidien? On va farmer, c'est pas un peu. Attends, bouclier ophidien. Ah oui, il est stylé. Voilà. Des écailles de serpent, ah oui. Ouais, c'est ce qu'on avait chopé. Du coup, si vous voulez venir vous fight contre des gobelins, il faut prendre le portail Orge. Qui est à l'étage. Hop! Voisin qui utilise la voiture. Est-ce que l'orge a poussé? Non, pas encore. C'est la zone de la base qui rame le plus ici. Avec tous les portails. Ah oui. Du coup, voilà la petite bâtisse que j'ai fait. Bon, j'ai dû mettre une forge pour mettre des. Oui, c'est normal. Les chandeliers et voilà du coup l'orge que j'ai mis. Alors du coup le sol, j'ai fait exprès de mettre un sol en bois parce que ici en fait quand on est ici on est dans la forêt noire. D'accord. Tu viens ici, c'est les plaines. D'accord. Du coup il faut obligatoirement mettre l'orge à partir de cette limite en fait. Et je ne peux pas mettre de toit parce que là ici je peux mettre un petit toit. Mais on peut pas mettre de toit tout autour parce que sinon on perd une rangée tout autour. Parce que bah, il faut de la lumière pour l'orge, donc il dit. Oui, ça, c'est de la plante, il faut voilà. De l'eau et du soleil. Oui, ça doit pas être couvert, voilà. Okay. Et du coup, ça rapporte pas mal. Un plant d'orge, c'est deux d'orge à chaque fois. Comme toutes les plantes en fait. Alors. Non, c'est pas un moustique, c'est une mouette. Ah,
Allez, donc, le copain gobelin il est tout en bout. Comme moi je suis mort un peu plus loin. T'as récupéré ton cadavre? Oui, j'ai tout récupéré. Ouais. Justement, je suis mort deux fois. Première fois, je suis mort contre les loups, parce qu'ils étaient 50. Deuxième fois, je suis mort contre un moustique. Quand j'ai voulu récupérer, j'étais juste à côté de mon cadavre en train de récupérer mes items. Sauf que, comme tu récupères pas le Melvin Jord tout de suite, il te donne pas ton stuff entièrement. Vu que tu dépasses la limite, en fait. Et un gobelin, hein. J'ai croisé des squelettes qui viennent de tuer un moustique. Ah. Une étoile, le gobelin. Cool. Alors, à part donner des pièces, ils donnent pas... Oui, ils sont nombreux. Oulala. Aïe. J'aurais dû mettre masse d'os. Je suis bête. Ouais, je reviens. Désolé. C'est horrible, je lag. Et du coup, je suis là. Tu lag dans les plaines? Il y a un peu de ouais, lag. C'est pas fluide. Ah. Pas fluide du tout. Étoile, bon. Attendez, je reviens. Hop. Normalement, tout le monde est mort pour l'instant. Normalement, il y a plus de locks, donc vous ne devrez pas être embêté. J'ai tué tous les locks. Après, il doit respawn après, hein. Ah, un moustique. Ah, ou peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'il y ait. Et par contre, il y a beaucoup de plaques bière. Du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que j'avais fait pour le. Pour récupérer le goudron, parce que c'est là que j'avais récupéré le goudron. Et hop, bon, je reviens à patte. Ah bah, j'ai un gobelin sur mes fesses. Ah, punaise. Il y a trois locks. Il y a un squelette qui m'attend sur la rive. Oh, mais le squelette à la vie. Ah, mais c'est surtout que. Le gobelin il me suit ou pas? Ouais, le gobelin il me suit. Non, le squelette, non, non. Non, c'est bon. Regarde là. Attention, gobelin. Vas-y, approche. Ah. Hop, je remets mes items. On enlève le point. Yes. Il s'en va. Ouais, il s'en va. Et il se trappe en plus. Oui, mais il s'en va, c'est bon. Bon, ok. Du coup, bah, c'est par là. J'entends des gobelins à gauche. Il y en a plusieurs. Ah, c'est la nuit. Ah, ils sont derrière, Jack, ils sont derrière. Mince! Bon, allez, on active la pièce. Ouh, oui! Une petite triplette, Ibra. Ah, on balaye tout, hein. Avec le col de la hache. En plus, elle est stylée, il est stylé le marteau. Alors, il y avait trois locks devant. Non, il n'y a plus de moustiques parce que je les ai tués. Sauf s'il y en a qui ont respawn là, mais. Ah, peut-être. Alors, non, il n'y en a plus. Je sais que. Alors, il y a des. Alors, on se fait ou pas les locks? Bah, en vrai, on a besoin de la viande, hein. Bah, allez. Alors, ils sont, on va dire, assez faciles à esquiver. Faut juste attendre. C'est plus facile quand il y en a qu'un que quand il y en a trois, quoi. Mais. Faut juste attendre qu'il nous tape, tu recules.
Plus chiant, c'est les AOE en fait. Fuis pas toi. Allez, un mort déjà. Allez, loot. C'est tout. Ça c'est du bois, on en a pas besoin. Ok. Moi, il y en avait un troisième normalement, j'ai mal vu. Bah ouais, non, il y en avait trois. Il est passé où là? Ah, il est là-bas. Il a pas été aggro. C'est un peu pro. Non, ça part vite à l'ambiance, wesh. T'as réussi à le contrer? Je l'ai bloqué. Ah wesh, je savais même pas que c'était possible. Je pensais qu'ils étaient trop forts. Alors. 2 pots de lox et 4 viandes, cool. Il y a de la viande et du cuir sur moi, hein. Il y en avait derrière. Ah ok, attends, du coup, si tu veux, je peux te les donner. Ceux que j'ai joué. Oh, vas-y, tiens. Vas-y. Non. Ah, vas-y, vas-y. Attends, j'ai un maïs misplique de. Oui, c'est là. Tiens, et je sais que t'as ça. Et ouais, c'est cool, on a pas mal. Enfin, pas mal. Normalement, là, il y a des plaques bières après, ici. Les plaques bières, de toute façon, c'est, dès qu'on voit ces petits arbustes, normalement il y a toujours des plaques bières pas loin. Et du coup, là, c'était là le champ de goudron. Elles ont respawn les excroissances. Oui, c'est des spawns ça. Ah, mais je pensais qu'elles. Quand tu les vidais, elles. Par contre, faites gaffe, ça ralentit et ça empoisonne. Hein. Oui. Alors, normalement, tu prends moins de dégâts avec le. Le masse d'os et le poison, ça va encore. Le bois, on s'en fout. Ah, trophée d'excroissance, encore. Est-ce que c'est... Ah bah... Donc voilà en fait ce que j'ai dû faire. Ah bah attendez, il y en a une qui est en dessous là. Elle est où? Donc en gros, ça c'était le la cuve principale. La pierre, les pierres ça. C'est des pierres, mais tu peux pas les récupérer, c'est bloqué dans le goudron en fait. En fait, c'est en gros ici c'était la cuve principale et tout autour t'avais du goudron. Et en fait, il faut creuser vraiment profondément pour faire un puits secondaire en fait et que tout le liquide s'échappe dedans. Et bien sûr, là, si tu vas dedans, tu te fais. T'es goudronné, donc tu perds de la vitesse. Et de l'enduit beaucoup plus rapidement. Et les pierres, en fait, comme elles sont bloquées dans le goudron, on peut pas les récupérer. Voilà. Oh, j'ai eu les deux moustiques. Tu vois, genre, même ici, le fragment d'os, il va pas vouloir. Ah bah, le jour se lève. Le jour se lève. Il y a deux locks à gauche. Let's go. Pourquoi il bouge pas? Pourtant, moi ça dit que je les touche. Ah ouais, non, mais pas de dégâts. C'est juste que. Culé. Ah, ils sont trois. Hein? Jean-Pierre. Pardon? Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, ils m'ont OS. Vraiment, j'étais full vie. Je pense que t'as pris plusieurs de. Plusieurs AO, ouais. Cette année. Mais je comprends pas, j'étais en blocage. Aïe, ah, non, mais je sais pourquoi t'as pris cher, Jake. Oh. Parce qu'on a plus le bonus de Mazdos.
Donc c'est pour ça. J'essaie peut-être la gêne. Aïe. J'ai chaud de kite les deux. Ouais, je sais, il y en a qui vient vers moi là, c'est bon. Ah, je me suis pris un coup, j'ai pas aimé. Hein. J'ai plus d'endu. Oh non, j'ai des gobelins en plus et un moustique. Mourir. Merde. Non. Ah mec, j'ai toute la map sur la gueule. Attends, j'ai bientôt fini mon lox à moi. Non, tu viens ici. Normalement, ils se tapent contre les gobelins, je crois. Ouais, ils s'en tapent pas. Merde. Le gobelin. C'est bon, le lock c'est contre moi. Et le gobelin. Le gobelin est sur toi. Ouais, je l'ai fini. Bon, je suis bien content d'avoir réussi à shooter le moustique en plein vol parce que. Sinon j'y passais. T'y arrives Jake ou pas à revenir? J'arrive. Ok. Non, tu nous dis hein, si jamais t'as des mecs sur toi. T'entends encore un gobelin, fais gaffe. Ouais. Ah putain, j'ai pas assez d'endu. C'est fini. Ah cool. J'ai un moustique et le gobelin est sur la droite. Il est où le moustique? Le moustique est juste en face. Je le shoot. Vas-y. Le gobelin est où? Il y a un deuxième moustique. J'ai entendu un gobelin, je suis pas fou. Ciao. Mais... Oh, il est caché. Un troisième moustique. Ciao. Appelez-moi Guillaume Tell. Bon, je sais pas où est le gobelin. Il est sur moi. C'est bon, gobelin mort. On entend encore un, non? Ouais, y en a un qui est près côté Guillaume. Ah, il y en a un devant moi. C'est où? Oh, il s'est fait one shot. Ok. Score ton Jake. Ils sont là, les plaques bières. On les voit mieux au soleil. Normalement j'ai récupéré tout le loot des lox. Une espèce de ruine là en bas, il y a un campement. Alors la ruine elle est faite, c'était le petit avant-poste des gobelins, donc je l'ai fait. Mais derrière il y a le campement. Et c'est derrière que ça pose problème. Alors, attendez, je reviens. Je crois qu'il y a un moustique que j'ai pas looté mais je vois pas le loot au sol. Alors, oui, j'ai eu le cas aussi quand l'aiguille tombe dans l'eau, on la voit pas. Je sais pas pourquoi. Non, mais là, je pense que c'est avec la végétation, c'est chaud à voir. Là, les plaques bières sont récupérées. Ah, donc... il est là. Voilà. Ah, t'as récupéré ton stuff Du coup, là, la petite bâtisse là de gobelins, je l'ai faite. Ça va peut-être pas une caverne ou un truc là? Oh, ça aurait été stylé qu'une caverne en dessous. Ouais, non. Lox, gauche. Oh. Par contre, moi, mon arc est déjà à la moitié. Goudron aussi. Goudron? Ah, cool. Ah, mais oui, déjà fait. Aïe! Putain, attends. Perspective advantage. Alors, les goudrons, j'avais réussi à les tuer assez facilement quand tu te caches derrière un arbre. Du coup, bah là, même système, puits sans fond. On fait les locks ou pas? Bah, il faut. Hein. C'est surtout que si on fait les locks, faudrait que j'aille réparer mon arc, je crois. Bah, je crois qu'on est sur la ferme.
Attention, n'essayez pas le cac, hein, parce que... Il est que level 2. Aïe, 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 aïe. Je m'en fous de la pierre. On va se plus reposer. Bah, je pense qu'on peut faire un aller-retour. Moi, c'est si on fait les gobelins tout de suite, c'est sûr et certain, je vais perdre mon arc. Hein. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un portail un peu plus près là? Vous pouvez, alors moi j'avais fait un autre portail. Ça part à quelqu'un boîte. J'avais fait un portail autre part, mais du coup. Ah yes! Hop! Et juste donner. Ah mince, c'est coincé dans le goudron! Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ah oui, non mais le moyen c'est ça en fait. Et tu creuses. Voilà, hop. Ah. En fait, quand, tu vois, quand tu marches, t'as à peu près une genre de flaque, tu vois. Genre là, quand je marche, tu vois, c'est, je sais pas si tu vois l'effet. Et en fait, c'est tant que t'as ça, bah c'est coincé dans le goudron. Là, ici, c'est pareil. Si t'as des items qui tombent, bah ça sera coincé. Paf. Bon, on fait quoi? On fait une pause repas et on revient ou on tente? Comme vous le sentez. Moi ouais, j'ai pas besoin de réparer, mon arc est à plus de la moitié. Et moi je suis à 30 sur 150 pour l'arc. Ça va réparer. Ok. 30 sur 150 c'est des flèches qui apparaissent, c'est pas la dura. Non, non, durabilité, je suis à 30 sur. Je suis à 20% de durabilité. Ah, ok, je le vois. Ok. Après il est que level 2 hein, mon arc, donc Vas-y, va réparer. Ah bah tiens, il y a un moustique. Go répare, prendre le repos, et puis on revient, et cette fois on rush le camp. Alors, aiguille de moustique. Ouais, c'est bon, je l'ai looté. En plus, le temps qu'on, je pense, le temps qu'on fasse le retour, j'aurai récupéré le buff de Mastos. Il me reste 5 minutes 20 à peu près. Ce qui est pas mal. J'espère juste qu'on va choper du lin. Ce serait cool. Ouais, je pense. Dans une grosse base. On a eu, on aura du lin et on aura le totem. Ah oui, et on a pas fait également la base à côté du boss. Enfin, du spawn du prochain boss. De quoi? La base à côté du spawn du prochain boss. Pourquoi on ferait une base? Il y avait une base goblin avec des chamans et tout. Ah, ça, à nettoyer, oui, mais ça, oui. On le fera juste avant d'aller faire le boss. Ah, il meurt, gobelin. Ah, je vais mourir. Ouais, bah ouais. C'est bien parti. Non mais il prenait l'avantage stratégique. Parce qu'en plus c'est vrai, ouais, il y a pas mal de... J'espère qu'il y aura du lin. Il nous faut du lin pour notre stuff. J'ai entendu un gobelin. Ouais, pareil. Ah, il est pas entendu. Non, ça c'est une, ça c'est un oiseau, ça. Une mouette. C'est les mouettes. On a besoin des plumes. On veut des flèches. Je sais pas si on peut réparer à la forge que j'ai posée. Tu ne pourras pas réparer le niveau 4. Ouais. En vrai, go l'améliorer, hein, ton arc, si c'est que ça. Hein. Ouais, bah vas-y, je vais l'améliorer entre deux. Je vais déposer, puis je l'améliore.
Normalement, on a tous notre stock d'argent. Ah oui. Ouais. On l'avait fait pour le bazar. Oui, on l'avait fait pour Madère, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, déposons. Déposons le stuff. Peau de l'ox. Hop. Viande, c'est par là. Goudron, c'est ici. Goudron, on en a 57. Donc on peut faire encore 57 planches. Tac. Les os, c'est là. Aiguille, c'est là-bas. Tu veux traverser la porte, Jack? J'ai cliqué 50 fois pour ouvrir la porte, elle a pas voulu s'ouvrir. Je sais pas qui c'est qui a laissé les clés dessus, mais... Ah. Ah. Du coup, pour le... 2 et 4... Normalement, on a tout ce qu'il faut. Écorce ancienne. On va prendre ça. Ensuite, il faut, je crois... Voilà, c'est... Alors, 20 d'argent, 4 pots de serre, 4 viscosité. Pots de serre. C'est là. 4, donc. Et là, on va prendre 12. Hop. Je vais aller poser la viande de l'ox. Ah, bah les oignons, ils ont poussé, Imar. Déjà ? Ah non, ils sont pas encore. Ah non, je pensais qu'ils allaient être... Il faut faire des graines, donc ça m'aurait surpris. Allez, farine d'orge, va dans mon inventaire, s'il te plaît. Merci. Allez, hop, 40 de farine. Pouf. Les potions. Yes. Et nous avons 24 potions de résistance au feu. Viande crue, c'est là. Plaque. Est-ce qu'on ferait pas un autre coffre pour les plaques bière? Non. C'est dans les plantes? Ouais, dans les plantes. Parce que encore une case et puis c'est tout. Non, mais on remonte les pissenlits, il y a de la place. Comme dit, pissenlits et chardons, on n'utilise quasiment pas. Hein, donc, en vrai, là, il reste 2, 4, 6, 7 cases, hein, ça va. J'ai hop, mettre le. L'argent. Je crois qu'il faut du bois pour le drop. Attends, j'ai dit viscosité. Mais t'as pas encore fait les crocs de drogue hein. Non, je l'avais fait que. J'ai pas encore. Faut ramener tout le matériel. Attends, je l'améliore. Une fois écorce, argent, viscosité et pot de serre. Ah ouais, donc c'est bon. Alors, argent. Hop. Je pensais que j'avais tout. Hop, croix de drogue. Et hop. Croix de drogue, level 4. Ça, il durera un peu plus longtemps. Le cuir, je repose viscosité et argent. Ah bah non, je vais garder l'argent et je vais... peau de loup. Je vais améliorer ma cape. Pour profiter. Il faut 2 d'argent encore. Ça, j'ai plus le choix. Voilà ce que j'ai fait.
Hop, bah c'est bon, moi je suis paré, reprendre quelques flèches peut-être. Et ton confort? Oui, le confort. Bah j'ai encore le confort de. Attends, c'est le confort combien? Ah non, c'est le confort 3. On va reprendre des flèches en obsidienne. Ah vache, le sombre acier, il est déjà complètement cuit. Ça va vite. Hop. Hop. Petit confort. Après, si vous voulez prendre le lit, vous pouvez prendre le lit. Hein. Ouvre-toi la porte. La cape, elle est là. Faut que j'aille reposer les pépins. Moi c'est bon pour le confort. Juste que vous ayez reposé les poteaux. Et on peut y aller. Ouais, la brume. Et du coup, pile poil, j'ai le buff pour Mazdos. Bon, il fait tout le tour, il traverse pas. De toute façon, je pense, enfin, c'est sûr et certain, faudra l'améliorer. Le petit enclos là-bas, je l'avais fait parce que il y avait les gobelins à côté. Si, enfin, je pense, faut, je sais pas si on peut peut-être garder l'emplacement, mais l'agrandir, ça c'est sûr. Ah, gobelin. Adieu. Vache. Et moustique devant, attention. Oh, où ça va? Ah oui. Oh là là. Il y en a un deuxième, je l'ai vu un peu plus loin. Ouais, je sais pas comment tu fais. Ah oui. Il y a les perspectives. Ouais, avec le brouillard, je voyais que dalle. Ah bah deux gobelins en face. Gobelins. Hop. Et ce petit... En plus c'est la nuit.
Aïeux. On a un don pour venir dans les plaines la nuit, on cherche des problèmes quand même. Le temps qu'on fasse aller-retour. La nuit plus la brume, autant dire là le moustique il vient. J'espère juste c'est qu'on n'aura pas des locks. Et surtout qu'on n'aura pas une attaque. Let's go. J'entends un truc. Deux squelettes au moins. Ouais. Ça, ça va encore. Alors, normalement... Ah, j'ai entendu un truc. Gobelin. Pas loin. Ouais, voilà. Posons sur toi. Hop. Alors, on attend le jour pour attaquer le camp. Oui. Faut qu'on se mette dans la tour, là, elle est où la tour? Là où il y a le point? Elle est là-bas. Non, elle est pas sur le point. Le point, c'est le camp gobelin. Oui, non, mais attends, il y a un point barré. C'est Goudron. C'est le truc de Goudron. Là, il y a des plaques d'hier. Je me repère un peu. Là, squelette. Normalement, la tour elle est à côté. Elle est là, la tour. Ouais. Dis bien. Le coffre, je l'ai pillé. Hein. Et du coup, le camp est juste en face. Est-ce que les mobs ils despawnent ou pas? Parce que j'avais vu que deux berserkers. Enfin, j'avais vu un gobelin normal et deux berserkers. En vrai, si de loin on leur met une flèche, avec le critique de discrétion, oui. On peut les éliminer instant. Tiens, tenez, prenez ça. Faut juste être synchro sur l'attaque, quoi. Je vois rien d'ici. Ah ouais, bah c'est pas. Oui, non, mais là, de toute façon, c'est pas possible, faut attendre le jour et la météo. Tout le monde a reçu des potions d'hydromel? J'en avais déjà sur moi. Ouais, mais des bonnes endurances? Oui. Ah, ok. Bon bah, il me restait 18. Bon, faut attendre. En attendant... Oula, moustique. Ok. Mais... Ah, la flèche qui part à côté. Voilà, ça me permet. Donc tu disais, Jake, excuse-moi. Je mets de... Comment ça s'appelle? Des... Ah oui, ouais, des items dans le coffre. Ouais. Ah, je vais faire pareil, tiens. Vous avez des piastres sur vous? Moi j'ai mis dans le coffre. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai mis tout ce que... Là moi il me reste juste mon stuff, les flèches, le manger et la potion. Et maintenant on attend que le jour y passe.
Hop. Mince. Il y a des plaques bières en bas. Je spam le bouton E. Hop. 17 plaques bières. Quand tu veux la brûle. On pourrait presque faire une photo de famille là. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attendez, ben, je vais être sur la photo. Bon, hop, allez, comme ça chacun son arme. Y'a pas une touche pour enlever l'interface ? J'ai entendu un gobelin. Oh, qu'ils viennent. Petit screen. Ouais, j'ai entendu un gobelin pas loin. Mettons-nous discret. Par contre, une flèche d'obsidienne en mode. Enfin, pas vue par les locks. Avec l'arc de drogue chargé à fond, ça leur enlève la moitié de leur point de vie. Ah non, c'est très fort, hein. Faut profiter de la discrétion dans l'attaque. Du coup, je fais des tours sur moi-même. Waouh! C'est quand tu veux le jour. Je fais des tout petits ronds. On fait les balises, tu vois, les balises d'avion, le phare avec nos armes. Allez, on tire une flèche random et on voit si ça attaque. Bien sûr. Vas-y, on va partir. Okay. Ah, j'aurais dit un peu plus à droite. Je l'aurais dit par là-bas. Bon. Et attends. Aïe. Quel dommage. Et là, tu vois trois berserkers, deux chamans qui arrivent sur nous. Oupsie. Trop bas, Jack. Un peu plus haut. Oh, okay. Ah la vache. Elle est la météo là, ça suffit. Ouais, elle est là. Slash météo soleil. Bon, on tente quand même. Normalement, c'est le début. Oh, ah, c'est le jour, le jour, le jour. Il arrive! Enfin! Ah. Allez, la brume! Bon, ce temps-là, je monte mes niveaux. Est-ce que vous le voyez quand. Un gobelin. Est-ce que vous le voyez quand on monte les levels? Ou pas? Je sais pas. Ah ouais, juste en face, on commence à avoir les. Les prémices de la tour. Ah! T'as touché quelqu'un, Jake! Il m'a traversé! Ah, attendez. Restez en arrière, restez en arrière. Ouais, Julie, il y a les berserkers là. Ah, le voilà. Bonjour Michel!
Il se fait mitrailler de flèches. Il y a un deuxième qui arrive. Alors, finir le premier. Le premier est mort. Vous pouvez attaquer le deuxième. Ah, alors, trophée, on a eu un trophée. Enfin. Ouais, ah oui, non, on va pas aller au caca. Il va pas au caca. Si tu veux, tu peux un peu aller au cac. Ah oui, il en reste un petit normalement. C'est bon ? Oh, on l'a tué, je crois. Attends. Là, j'ai du son brassier. Ils sont... Ah, là, il y en a d'autres, par contre, dans le camp. Ouais. Ce que j'espère, c'est que... Oh, il y a un troisième berserker. Il y a le chaman qui débarque. Beaucoup de monde là. Reculez, reculez, il y a un gobelin, une étoile et tout. Reculez. Gobelin une étoile mort. Je reprends un truc dans les fesses là, il y a beaucoup de monde. Attention, je vois le berserker. Oh attention, il est il est buffé. Il y a un chaman qui l'a buffé. Je me replie un peu, je suis low. Le chaman n'a plus de bouclier. Attention, Jack. Hein. Hop, et toi, t'arrêteras de nous embêter. N'hésitez pas à prendre vos potions hein, si jamais vous avez plus d'endu. Ouais. C'est deux minutes avant de la réutiliser. Allez. GG. Ok. Je confirme, tout seul j'aurais pas réussi. Oh non, mais il y a peut-être pas fini. Hein. Ouais, non mais voilà. Il y en a encore, hein. On avait peut-être bien le tour parce qu'il y avait encore des trucs partout. Feu combustible. Attends, il y en a encore un là. Non, il y en a plus qu'un. Hein. Il y a un totem. Oh, cool. Ah, oh, ça par contre, ça m'intéresse. C'est ce qu'il y a là. Oh, gobelin une étoile. Et lanceur de javelot. Je vois laguer de partout, c'est horrible. Ouais, je vous ai vu vous TP aussi. Hein. Te cache pas dans ta maison, toi. Le lin est derrière vous. Yes. Yes. Allez. C'est moi ou j'ai entendu un loup? C'était moi ou il y a pas de loup, non? Ouais, les pots de serre. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans le coffre? Vide.
Et ah, du lin, yes. Il nous fallait. Hop, du coup, tiens, Jack, comme ça, t'auras la découverte. Allez, le lin. Ah, tu l'as aussi? Mais du coup, c'est à dire qu'on va pouvoir le cultiver aussi? Ouais, ouais, le lin, c'est cultivable, c'est donc c'est pour ça. Là, en gros, je pense que le mieux, c'est agrandir la base d'orge. C'est un spawner, ça? Non, ah, c'est un bûcher. Ah, c'est toi qui as mis le bois dans le bûcher. Ah, cool. C'est dommage qu'on peut pas les faire, ces bûchers-là. Si, si, on peut. On peut les faire? Oui. Ah, cool. Et ils donnent du confort, je pense, non? Oh, vite fait. N'oubliez pas de récupérer ce qu'on avait mis dans la petite... T'as récupéré un vide? Bah nickel. Là je suis pas allé par là. Donc gobelin on peut... pinguer. Ah j'ai entendu des gobelins. Gobelin à ma gauche. De toute façon en vrai on va le buter, il nous faut son refaire. Hein. Ouais, son brassier. Ouais. Pourquoi j'ai dit son refaire hein. C'est haut, c'est d'en haut. C'est ouf, hein. J'en ai 7 pour ma part. On peut pas les miner, les golems, les déminer. Oh. Ah, mais c'est des cailloux. Il y a peut-être des donjons cachés. C'est... On va péter la base, comme ça t'as tout le caillou qui va tomber. C'est ça. Là, je pensais que c'était une structure. Oh. Il y a un arbre. Sérieusement. Ah la vache. Le random du monde, quoi. Ouais, normalement il va tomber. Oh, attends, on va couper l'arbre. Pluie de pierre! Voilà. Mais je suis fou là. Tu m'étonnes. Allez, on fait 3 autres. Bon, ouais, peut-être un truc intéressant. Oh, moustique. Oh non, il s'est décalé. Redécalé. Oh yes. Bah vas-y, let's go. Lox, à gauche de Lox. Lox. Oh bah oui, là-bas c'est la montagne en plus. On a plus le buff de Modère, donc attention. Mazdos. Oui, Mazdos, ouais. Ça pique, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Attention, t'as les 3 sur toi. Pourquoi il focus toi à chaque fois? Bah, à chaque fois, hein, c'est ouf, hein. Ah, je dois puer. Ah, c'est vrai qu'on peut les apprivoiser, les Lox. Oui. J'aimerais bien savoir comment. En vrai, ça pourrait être stylé de faire un camp à Lox. Je dirais peut-être avec des plaques bière, non? Vu que... Enfin, c'est entre guillemets la seule ressource. Ou peut-être avec de l'orge. L'autre, il s'est barré. Oulala, je suis... Ah non, il revient. Oui, Jake, attention. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi tranquille. Mais c'est plutôt Jake à faire attention parce que là, sinon il va mourir.
Aïe. Allez, meurs. Et hop. Alors, soit on va vers la montagne, on prend le TP Modère Yaglut. Go, en Xas, on chope des trucs sur la route, non? Et Mont Blanc. Et après, on peut reprendre le TP. Moi, je vais reprendre le TP de l'orge pour. Je pense agrandir la maison pour faire le lin. Après. Bah, au moins qu'on pousse un, qu'on fasse pousser un peu de lin. Non? Vu que ça met une heure pour pousser. Encore deux locks. Oh, bah attends. Ah, j'ai entendu des gobelins avant, attendez. Where is the gobinou? Il est là-bas. Paf! Il est pas mouru. Meurs! Paf! One shot. Enfin, two shot. Bah, let's go. Vous n'êtes plus reposé, tu m'étonnes, je fais que de courir. Hein. Mignon. Hein. Tu demandes à un athlète s'il est reposé après l'effort physique. On fout. Il se saute dessus. Ouais, c'est. J'ai l'impression que c'est l'autoroute des vacances, quoi. Ouais, je fais esquive. Donne-moi ton stuff. On peut pas dire, on peut les looter une fois qu'ils seront morts tous. Ça m'arrangerait. Oui, ils sont juste à côté. Ça passe easy. Oh, j'en ai pas besoin. On voit un Jake qui saute depuis tout à l'heure. Allez, meurs. Et ben c'est pas mal, on a récupéré 19 viandes de lox et 8 pots. Oh, les plaques-pierres. Qu'est-ce qu'elle dit, la pierre? Ah, je vais dire en anglais. Play loop, peaceful, peaceful. C'est moi sur une pierre insecte, une pierre moustique, ça. Non, il dit juste que du très haut de la montagne jusqu'aux plaines qui ont l'air apaisantes et jolies, il a rien trouvé de pire que ça. En fait, il a toujours entendu le bourdonnement de ces satanés insectes, que sa barbe en est devenue blanche comme la neige. Du coup, il a construit un bateau et il s'est barré. D'accord. Alors, normalement, il doit avoir des locks par là-bas. Je les avais pingés. Normalement, je les ai pas encore tués, donc... En fait, je me suis trompé, c'est pas Modère, c'est le Mont Blanc. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'avais pas entendu. Ah, bah un petit moustique, deux moustiques. Toujours par deux, ils vont le maître et son apprenti. Y compris de la mort. Ah. Tiens, ils vont sortir aussi une nouvelle série sur Star Wars. Alors, il y a Obi-Wan, il y a Obi-Wan. Ils vont sortir de nombreuses séries et films autour de Star Wars. Il y a, il y a Obi-Wan qui est sorti. Oui, oui, non mais vraiment, il y a de Star Wars, il y a Andor, il y a Ahsoka, il y a Squadron, il y a voilà, si on va dans ce sens-là, il y a à peu près une dizaine de séries Star Wars qui sont prévues. Enfin là j'ai vu, c'était la bande-annonce de Andor qui est sortie. De Andor. Ouais. Ça a l'air pas mal, ça me fait penser un peu à Rogue One. Je ne sais pas, je ne regarde plus les bandes annonces. Ah. Ah bah tiens, il y a un gobelin là-bas. Éradication.
Exterminé. Ouais, il n'y en a pas qu'un. Ah, je l'avais pas vu. Tant mieux, ça nous fera du sombre acier en plus. Un moustique aussi. Oh merde, c'est le gobelin qui a pris la flèche à place du moustique. Adieu. Ah. Allez, régène-toi, vitalité. Oh, fureur, déchaîne-toi. Et normalement, les locks, ils sont en bas. Ils sont là. Eh, je disais bien, oui. Il y a 3 locks. Ouais. Tu peux attendre tout le monde les régène, c'est bon? Moi je suis, ouais, je suis, c'est bon, je pense. Imra, le dompteur de l'Ox. Le dompteur? Bah, ils sont tous autour de lui. Nom de Zeus. Mettez-vous sur le caillou. Ils vont faire. Ouais, ah oui, on peut les faire bugger sur le caillou, oui. Bon, ils vont quand même monter, hein, mais ils vont péter le caillou, ça fera de la, ça fera de la pierre. Après, c'est qu'on va avoir un monde de choc et tout quand même. Ah non, ils bug. Bon, bah allez, hein. Et j'imagine dans leur ligne de code, aucun chemin n'a été trouvé. C'est ça. Pathfinding introuvable. Veuillez réessayer. Ah, il y en a un qui se décide peut-être. Reviens, s'impatiente. Reviens Michel. Oui, il se barre. Oui, il se barre, c'est ça? Le mob il a reset. Ouais. T'arrives à le trouver, Ivo, ou quoi? Ouais, il est juste avant moi. Hein? Oh, mais il est mort. Ouais. Cool, plus de viande, on va pouvoir faire des tourtes. Je peux pas le looter, moi, c'est. C'est cool. Hop. J'ai pris 100 pierres. On va les looter. Qu'il est mort dans la montagne devant. Oui, tu peux voir les morceaux de bois qui pour ces petits poussés. Allez, hop. Et puis bah let's go au portail. Hein. Un loup. Des dracs également. Oh le frise que j'ai eu. J'arrive pas. Horrible. Il arrive. Il appelle ses potes. Moi je le vois pas bouger, moi je le vois statique, je suis en full là, c'est horrible. Là c'est bon, il a mouru. Alors pour le récupérer lui par contre. Hein. Le loot est tout en bas. Ah bah oui, là. Et une viande et une peau de loup. Alors là, la méthode bouquetin, ça va être un peu compliqué, je pense. Je vais faire le tour. Hein. Plus simple. Allez.
On enlève le stuff pour courir plus vite. J'ai un cadavre de loup à mes pieds. Ah, c'est bon. J'arrive. Et on a bientôt un. J'ai bientôt un stack complet de viande de lox. On est 33 sur 40. Allez, régène. C'est bon, je suis là. Ah, merde, je peux pas prendre le trophée, ni Il y a un croc de loup et un trophée de loup. T'as déjà des viandes ou pas, Jake? Prends le trophée. Ah, fragment d'os. Oh, on peut le laisser aussi. J'ai dû... Attends. Sombre fer. Ouais, j'ai, vas-y. Sombre-acier, ouais. La bière. Alors, sombre-acier, je suis encombré, là. Ah, merde. Attends. Si je te donne 20 sombres assis, non. Et je t'échange ça. Si je t'en donne 5 encore. Moustique. Aiguille, G. Plaque bière, G aussi. Et ben c'est bon. T'as récupéré le cuir et la viande de loup. Ouais, j'ai récupéré. Ouais. Ça, on est good. Allez. Allons tout en haut du portail. Ah bah, il y a un drague juste derrière nous. Couvre-nous, Ivra. Ah, et il y a l'œuf qui arrive, hop, aussi là-bas. Hop, vas-y, on attend le Jake pour prendre le portail. Vas-y, Jake, tu peux le faire. Attrape ma main. Ou saute comme un bouquetin, Jake. J'attends surtout que la mana revienne. Et hop, le Mont Blanc. Direction la maison. Et je vais aller faire pousser le lin, comme ça on en aura déjà pas mal. Et après on va devoir le tisser. Alors, déposons le stuff. Le trophée de Berserker Gobelin, je le mets en plein milieu de la route. Ça, vous pouvez le prendre, et si tu veux le mettre sur les poteaux, Jack. Ouais, mettre le carré. Et en plus, il est big, hein. Il est énorme. cuir de lox 48. Cool. Aiguille, on a déjà 111, c'est cool ça, on va pouvoir faire des flèches. Cuir de loup. Ah, et là, les oignons, ils ont... Les graines d'oignons ont poussé. Et encore... Et il n'y a plus de farine. C'est parfait. On va remanger. Ah, putain, on en a... Ah, oui. On va pouvoir faire du pain. Juste en face de la banque. Non, je sais pas. Ici. Regardez-moi cette belle tête. Il est juste en face de moi, si je veux. Hop. Ça, je vais mettre ça là. Je vais aller à la capitainerie poser les pierres.
qu'on a chopé. Plaque pierre et viande de l'ox. Viande de l'ox, c'est là. Est-ce qu'on ferait pas du pain ou on attend pas encore un peu? On va attendre un peu. Je vais aller faire pousser le lin. Et normalement, je vais récupérer l'orge aussi. Dans le coffre ici du potager, j'ai posé les deux de lin que j'avais. Ah, ok. Vas-y, je vais les récupérer. Hop. Ah oui, et les oignons, je sais pas si tu t'en as déjà pris, Jack, il faudrait que t'en prennes. Ça débloque la recette. Cette recette, ça débloque la recette soupe à l'oignon. Si tu veux, on pourra se faire une soupe à l'oignon dans Valheim. Ah, il vaut mieux faire une vraie. Hein. Alors, mon orge, elle a pas poussé. Par contre, ah bah, au moment où je dis l'orge, elle a pas poussé. Elle a... J'ai tout qui pop. C'est parfait. Et du coup, je vais faire une rangée d'orge et une rangée de lin. Si vous voulez venir faire la maison, let's go. Faire la maison. Bah, augmenter un peu la maison où il y a l'orge. Hop, et du coup, j'ai chopé 150 d'orge. Le coffre. Tac, cultivateur. Faites pousser du lin. Pousse bien, là, 500, ok. Alors, je vais décaler un peu parce que sinon on va aller dans la forêt noire. Hop.
Hop, l'orge il est planté. Je vérifie juste qu'ils sont. C'est super petit, on le voit pas trop bien. Hop, ils ont tous de la place. Ils ont tous de la place, c'est parfait. Je vais en laisser 50. Parce que tu vois, là j'en ai encore. Je peux encore en planter 107. Du coup, je pense que le mieux c'est de péter tout autour. Tout planter d'un coup? Bah au moins on plantait au moins une centaine quoi. Parce que comme ça, ça nous en fait 200. Après j'ai pas plané le terrain non plus. Hein. Est-ce que j'ai pris une... Ouh, non. Si je fais... On peut faire un petit truc carré, à peu près, non, comme ça. Plus en français. Mmh. Ah, là, c'est une montagne, le truc. Oui, il faut aplanir, je sais. J'ai pas pris là où. Attends, je vais prendre le... Elle est où? Elle est à la base, là où? Là où, ouais, elle est à la base. Ouais, parce que là, sinon, ça va être trop chiant. Je vais faire un vrai terrain plat, tant qu'à faire un... refaire les trucs, hein. Du coup, faut creuser. Non. Bah, on creuse, non? Pour aplanir après. On passe là-haut et après, on voit s'il faut tailler. Hein? Parce que là, du coup, on en a à peu près une cinquantaine d'orges. Et on a tout. J'ai mis tout le lin planté. Ah, tiens, j'ai. Alors... Fais attention aux cultures, hein, parce que sinon ça va les péter, je crois. Ouais, je vois pas du tout, en vrai, quand ça marche, mais... Ça a plané au niveau de tes pièces, sauf si ça monte trop. Oui, c'est carrément mieux. Non, du coup c'est bon, là, je suis passé. De quoi? Ah, c'est bizarre, ça augmente. Ça fait... Ah oui, non, ça fait baisser derrière. Ouais, parce que pour l'instant, il n'est pas du tout plat. Hein. Essaye de mettre, faire un petit coup là, peut-être. Où je suis. Ouais, non, ça... Creusons! Je pense que là, normalement, si tu donnes un coup, ça devrait être bon. Un peu mieux, là. Ouais. Du coup, si je cultive... Après, il faut pas faire trop grand non plus, hein. Attends, là, je pense que c'est... Si on rajoute un petit coin, que vous en pensez? Et du coup, je vais planter. Quasiment que de...
Les pouces se voient quasiment pas, c'est horrible. Je pense que avec ça, c'est on est bon, non? Oh, j'en sais rien, moi. Ce sera déjà pas mal, hein, dans l'immédiat. Je pense que... En plus, c'est x2 à chaque fois, donc... Par contre, ça sert... Du coup... Ah, attends, putain, merde, je peux mettre... Ah, c'est bon. Ça sert à rien de mettre de... de plafond, parce que ça marchera pas. Normal, ça, ouais. C'est naturel, avec du soleil et de l'eau. Hop. Ah, c'est bien. Non, c'est parce que je vais mettre la porte. Et sinon après on va être bloqué avec l'entrée. Sinon je pense pas que j'aurai assez de bois. Porte en bois. Et du coup, il faut mettre le plancher de l'autre côté. Je vais faire le deuxième. Après, en vrai, à part pour les attaques, je pense que ça sert à... Enfin, ça va pas trop. Les gobelins, quand ils ont spawn, ils attaquaient pas. Donc, ça passe tout pile. Yes. Mince. C'est décalé de 1. Mais j'ai plus de bois. Il y en a plus de bois. Pas erreur réseau, qu'est-ce que tu dis? Pas erreur réseau. Hop. Le cultivateur. Non. J'aurais pas dû mettre des chandeliers comme ça par contre. Ah ouais? Non, juste les torches les plus basses. Parce que j'avais mis des feux mais on voyait pas non, beaucoup. Non, les torches en bois, les plus basses. Bois, résine. Ah! Si tu veux les enlever, on peut les enlever. Hop.
Oh mince, il y a un trou. Et tu peux encore ou pas? Oui. Je vais couper un truc de bois pour mettre une poutre en bas. Et après, vous voulez faire quoi? Bah, je pensais qu'on allait farmer les plaines. Là, pour l'instant, on a fait juste un camp. Bah, après, oui, oui, on peut continuer. C'était juste au moins pour faire pousser le. Hop. Pour faire pousser le lin, vu que ça met longtemps à pousser. Je mets juste ma poutre et je répare mes objets. C'est bon, on peut y aller. Parce qu'après j'ai pas vu beaucoup d'autres camps. Poutre, poutre. Let's go. J'ai... Hop. Oh la vache. Allez le serveur. Voilà, résine cuivre c'est là, puis ici. Hop. Juste déposer la pierre. C'est mon coffre là. Prendre le tépis village, faire les plaines qu'il y a juste au sud, puis au nord, puis à l'ouest. Alors, tépis village, c'était. C'était framboise, non? Non, non, village. Non, village. Il s'appelle comme ça. Je trouve pas le point. Qu'il est le tépis village. Ah oui, ouais, je vois là, ouais, portail. Il faut traverser un marais, non? T'as le portail, au sud t'as des plaines, au nord t'as un marais, t'as des plaines, et à l'ouest t'as des plaines. Ah oui, ouais, ouais, ok. Ouais, c'est celui que je vois, ok. Bah ouais, let's go, hein. On devrait trouver pas mal de choses. Hop, je n'ai pas full, c'est bon. TP village, c'est en bas, je crois.
Montagne brune. Piège. Alors, on commence par celle du sud. Attendez, j'essaie d'ouvrir une porte. Moi. Le serveur a du mal, je trouve, ce soir. Après, bah, faut dire qu'on a pas mal de trucs qui tournent, qu'on a rajouté hein, depuis. Entre le moulin, les oignons et tout. Peut-être après qu'on ait. On est fini, peut-être tenter de le redémarrer pour voir, non? Tout à l'heure, moi je le ferai, pas cette nuit quoi. Ouais. Je laisse la porte ouverte, j'en ai marre d'attendre 6 secondes à chaque fois. On fait quoi bah, suivez-moi. Hein. Ouais, on passe par les marais, on fait le contour des marais. Bah, on passe juste en dessous et puis ça évite d'avoir à tout nager quoi. Ok. Oui, c'est vrai que je pensais qu'on allait traverser les marais, mais ça va, il y a une petite zone de forêt noire. Les marais maintenant, c'est moins flippant que les plaines. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, je pense le plus embêtant dans les marais, ça va être les spectres, non? Non, ils ne dérangent pas plus que ça, les spectres. Ils sont faciles, tu les contres une fois, il faut plus un. En vrai, il n'y a pas trop de difficultés. Si l'abomination ouais. Peut être un peu tricky s'il y a du lag ou quoi, mais. Heureux dans la forêt. Ça aurait été cool qu'ils mettent des orques, genre des gros orques comme les trolls, comme les trolls dans la forêt noire, mais en mode dans les plaines. Ça aurait été marrant. Bah, je pense que, au vu de la logique du jeu, je pense qu'ils vont nous mettre un gros monstre dans les plaines. En même temps que les donjons des plaines, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour moustique. Ils ont rajouté l'abomination d'Imari il y a pas longtemps, ils ont rajouté les donjons des montagnes il y a pas longtemps. Ouais, ça ferait un gros monstre par zone à chaque fois. Bah ouais. Oh les nagris. Ouais. Les nagris, c'est pas le moment là. Bon, c'est quoi le machin qui blob, c'est le goudron qui blob et jaune devant vert. Ouais, j'ai vu un truc blob aussi, mais je. Je vois rien là, c'était vers là. Non, je pense que c'est un bug d'affichage. Par contre, je vois un village gobelin au loin. Ouais, il y a un campement là-bas. On pourrait peut-être faire le tour, non? Comme ça, on va tracer, hein. Je vais faire gaffe parce qu'il y a encore de la brume. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Un moustique. T'es mort. Est-ce qu'on tente le. Le campement avec la brume. Bon, en vrai, si on fonce pas comme des singes, ça passe. Hein. Je vais prendre ma bouffe. Attendez, enfin, reste collé, Imraj, je vais activer Modère. Pas Modère, Bastos. On va y arriver. Ah, oui, c'est pour ça, je t'attends. Dieu. Ready? Go! Les gobelins, ils vont pas comprendre. On leur ramène des nangris avec. Ouais. Je vois rien. Ouais, gobelin, une étoile. Oh, troll. Oh, chaman. Oh, berserker, une étoile. C'est un chaman. Non Oui, il y a un chaman. Berserker, une étoile boostée. Ils font tous une étoile. Retraite, hein, retraite. Les nangris, c'est pas le moment.
Ah oui, ah non, j'ai entendu. Il y a deux chamans. On voit rien et il y en a toute la map. Il y a des squelettes en plus. C'est pas le moment les squelettes. Je vais mourir. Non, fuis. Ouais, ça a explosé là. Un gobelin mort. Je vois rien. En fait, il y a que les lanciers qui sont level. Amenez-les vers les marais. Oh, il y en a d'autres. Il y a deux chamans. Draken, je vais dire. Oui, en fait, j'essaie de les éviter, Duke. Je me tape. Mais cours. Bah ouais, mais. C'est compliqué, faut que j'évite les boules de feu. C'est pour ça. Parce que c'est l'ancien que j'ai, moi. Oh, t'inquiète, on a aussi, on a toute la map. Hein. C'est pour ça. Merde. Il y a un drogueur, faut pas le tuer. Oui. Oh, il vient de se faire éclater. Exactement. En plus, ah, le moustique, c'est pas le moment. Hein. Allez, attends, ah, nickel, il est occupé. J'arrive à kiter mon gobelin une étoile. Allez, gobelin lancier une étoile, t'es mort. Voilà. Berserker, on dirait moi qui me cogne l'orteil sur une table. Quoi. Tu grognes pareil. Un peu, ouais. Attends, j'essaie d'arriver pour vous aider. Les deux chamans sont loin, ils nous ont quittés. Oh, t'inquiète, on a pas besoin d'eux là. Allez. Allez, parfait. Plus que le berserker. C'est chiant, c'est qu'il est boosté. Ouais, le nagri, vas-y, bats-toi contre lui. Non, pas moi. C'est moi, il y a encore le bouclier du chaman. Je vois encore la grosse boule bleue qui est pas vraiment sur lui d'ailleurs. Je pense que c'est un peu. Attention, Jake. Attention. Je vais bientôt mort. Et après il y a les deux chamans à tuer. Ah, cool. On a fait plus dur. Ouf. 6 minerais sans brassier. Alors les chamans. C'est bien payé quand même hein. Yes, je suis déjà à 11 minerais sans brassier. Personnellement. Ah non. Alors, oui, mettons les chamans. Pognon. Pognon ? Pognon. Ah, ah pognon. 7 piastres, ouh! Je me riche. Non mais. Oh là, il y a encore toute une tribu là. Ah, c'est cette nuit qu'ils en spawn. Des gremlins. Qui les a nourris après minuit? Un bon gros lag. Alors, petit chaman. Oh, ils sont à droite. Là, il y en a derrière. Là.
crois qu'ils sont retournés au... C'est quoi que... Ah, trophée de gobelins. Je crois qu'ils sont retournés au... à leur campement. Tu peux parler là? Je peux où est leur campement, moi? Je crois qu'il est par là. T'es pas guère. Il était contre la, la falaise. Il est pas bien. Ouais, j'en ai plein alors. Parce que j'ai une piste là, je viens de trouver du sombre fer au sol. Ouais, je crois qu'ils sont par là. Hein. Normalement, ils étaient du côté. Côté marais donc. Ouais, ils sont dans le coin. Ah, bien que la brume se lève, c'est horrible, on voit rien. On peut pas se repérer. On les a dépassés ou c'est... Sur moi. Ah, j'en ai entendu. Ah non, c'est bon, ils sont en face. Ils sont là, ils sont là. Oh, GG. Le deuxième. Berserker. Encore. Oui. Ah, beaucoup de gobelins aussi. Oui, encore des gobelins une étoile. Encore un avec une torche. Deux avec une torche. Quatre. Oh putain. Ouais, par contre, on a plus. Faites attention, elle est pas au cac. Hein. Parce qu'on a plus masse de sang. Je suis mort. Oh, mort, mort. Ouais, ouais, je suis mort, mort. J'ai essayé de faire tourner le berserker. Par contre, j'aurais pas dû prendre les flèches de poison parce qu'on dirait que ça leur fait pas beaucoup de dégâts. Ah non, non, le drogue, c'est pas le moment. Mais prends ton arc. Tape le drogue, le gobelin. Ouais, voilà. One shot. Aïe, 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 aïe. Mon berserker est mort. Ah, le jour. Enfin. On va pouvoir voir enfin. Alors, j'arrive sur ton corps, Jake. Ouais, je vois des moustiques. Le jour se lève. Il y en a encore ? Écoute, j'entends gueuler, donc je pense. Pas de la tour. Yeah, déjà, le chaman est mort. Déjà, il va pas nous embêter, lui. Oh oui, d'accord. Mais... Oui, là, c'est le... Je me demande si le totem les buff pas. On l'a dans le loot. Il y a peut-être moyen. Ou moi, je dirais plutôt que le totem va faire qu'ils te cherchent tous les misères. Ah, je l'ai pas vu, lui. Alors, c'est bien, le chaman il nous aide, il détruit son propre camp. Hop, déjà le chaman est mort. Il y en a encore dans le fond là-bas. Attention derrière toi, Imran. Je vois. Il y a encore un chaman là-bas.
J'en ai encore deux sur moi. J'essaie de me faire le chaman. Le chaman est mort. J'arrive pour tes deux cacs. Voilà. Il y en a encore deux. Trois. Hop. Et on a récupéré encore de l'orge. Silex, coup de cuir. C'est pas vrai, il y en a encore. Ah mais il y a, en fait il y a une gigatour derrière. Il y a moyen qu'on ait encore un totem. Je vais tout mettre dans le coffre. Ça c'est de la pierre. Oh, moustique à mes fesses. Oh, attends, on arrive. Et gobelin à tes fesses aussi. Oui. Oh, attends, je... C'est bon, moustique mort. Allez, gobelin mort. Ouh. J'ai tout mis dans le coffre là, moi perso. Je vois qu'il y a encore un. De toute façon, on casse tout et après on pique tout. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y en a encore derrière en fait. Encore des méchants? Bah ouais, il y a une tour en fait. Et il y a des locks en plus juste à côté. Attention. Faut que j'accule. Bon, moi j'ai une méthode simple pour ça. Attends, il y en a encore. Ouais. Ils sont dessus. Faut tous se casser la gueule. Hein. Ils prennent des dégâts de chute ou pas eux aussi? Oui. Vraiment. On arrive. Ah non. Ah, par contre, il y en a un étoile. Ah non, c'est... je pense. Eh, reviens. Il y en a deux qui sont partis. Dans une bloc. Qui arrive. On aurait dû prendre un des portails portatifs. Il y en a encore un? Non, il y en a encore un qui traîne avec une torche qui s'est barré aussi. Ils étaient deux. Ah, retraite. Il y a du goudron juste derrière. Donc il y a les excroissances. On va faire les coffres. Moi, le coffre là, il est fait. J'ai tout mis dans l'autre coffre. Là.
Hop. Ah, coffre là, j'avais pas vu. Ça va nous en faire de la peau de serre. Alors, paf. Est-ce qu'on ramènerait pas le... Pas faire le... pas le ramasser. Le totem? Ouais, j'appuie sur E, mais ça ne marche pas. Il n'y avait rien. Moi, il était... je crois que Imra avait déjà récupéré. Le quoi? Le totem gobelin. Ah oui, moi j'ai récupéré, il y avait un totem à l'entrée. Est-ce qu'on ramènerait pas le portail ici ou pas? On pourrait. C'est vrai qu'on a pas mal de ressources à ramener. Je vais aller le chercher. On va essayer de mettre toutes les ressources dans le même coffre, ça sera moins chiant. Il y a un village drogueur là-bas. Et il y a un autre gobelin. Le moustique, c'est pas le moment. Ouais, il y a des locks partout. Je pense ouais, on pourrait mettre juste là le portail, vu qu'il y a un village d'orgueur. Autant l'avancer. Alors, hop. On l'avait déjà clean le village. Je sais pas du tout. Ok, bon, j'ai tout centralisé dans les deux coffres. Ce sera un peu moins galère. Hein. Le portail, on peut vraiment le mettre là où on est. Hein. Oui, je pense. Ouais. En plus, on pourrait éventuellement refaire un potager ou un truc là, si nécessaire. Ouais. Ah, c'est plat. C'est comme vous voulez, hein, moi ça me... Un peu plus plat qu'avant. Ouais, tu fais soit les, tu prends les ronds qui sont plats et tu fais des ronds de potager, soit tu fais des rectangles de potager dans les ronds. Ah oui, moi c'est, moi j'ai, le premier truc c'était l'or juste pour qu'on ait, on ait le stuff. Ah mais c'est pas un reproche, c'est juste que à chaque fois qu'on trouve un endroit mieux pour évoluer, notamment le potager, là clairement tu vois, la zone elle est assez sympa. Oui, bah autant on pourra faire ça en off. Ah oui, mais on va faire ça. Maintenant, là, on est sur l'exploration et du farm. Il y a encore 3 logs devant. Ouais, il y en a 4, il y en a un derrière également. Si tu vas sur le. Si tu vas côté. Sur le tag où il y a marqué trésor, il y en a encore un. J'en ai vu. Alors, le nain gris, c'est pas le moment de m'embêter. Il y avait encore la table de craft ou pas à côté du portail? Sûrement, oui. Ça va si après je prends du... Après c'est 10 de bois, hein, c'est pas... Ouais, yes. Oui, non, mais c'était pour juste savoir si je reprenais du bois. Hop, alors, toi je te casse. Ah bah non, je vais te casser d'abord la table. Casser le portail avant. Donc c'était... Village, hein, là. Et re la brume. On va faire le grand tour. Oh, c'est un sanglier, la vache, il m'a fait peur. On va voir comment ça fonctionne, les trucs de goudron, du coup. Ouais, ouais. Et au passage, on pourra prendre des potions d'antipoison. Pour les excroissances. Ça pourrait être pas mal. Censure de nous. Ah, vous êtes déjà en train de... On s'est un peu trop approché. Ah. Si vous avez des arbres, cachez-vous derrière des arbres. Il bouge. Oh, je vais crever. C'est fini. Bye. Punaise. Soul.
Il y en avait 3, c'est ça? Au moins 4 ou 5. Hein. Ah ouais, les croissances, ça pique. Je vais les amener au marais. Non, 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 je reviens, Jake. Non, je suis une dague, je les ai même pas aggro, moi, en plus. Je les récupérerai à l'aggro. Je les vois pas. Je les entends, je les vois plus. Attends, je suis FPS. Ça va faire... je me dépêche de mettre le portail, hein, avec moi. Les Nyx, les... Ah, allez, les nags, venez que vous je vous défonce, si on n'aura pas le temps de faire ça avec les croissances. Voilà, c'est bon. Je remets mon stuff. Je vois que dalle avec la brume, Jake, donc... Il y a 4 excroissances et 2 gobelins feu. Je vois que t'es en haut, est-ce que... Je crois qu'ils essayent de se battre entre eux. Ouais, ils se battent entre eux. Il y a une excroissance qui va mourir. Attention, Jack. Ah putain, j'ai pas assez d'endurance. C'est bon, l'excroissance est morte. Se connecter, il me reste, ça sera bon pour toi. T'as récupéré le goudron ou pas, Jack? Je pense que j'ai. Ouais. Ok. Normalement, il devrait se connecter, Imra. C'est quel portail du coup? Village, ouais. Il y a peut-être une majuscule quelque part. Ah, il n'y a pas un V majuscule? Si. Ah. Hop. Allez, allez, c'est bon. Et ton cadavre est juste à côté de... Hop. C'est tellement longtemps que j'étais pas mort. Alors, le totem, plaque bière, je peux poser. Ça, je peux poser. Avec de nagris. Alors, hop. On va laisser faire les autres excroissances. Il y a plein de plaques pires devant. Elles arrivent. En plus, c'est une énorme mare, c'est cool ça. On en a plein. Alors, elles sont où? Je crois que vous... Il y en a encore une qui est là-bas. Oh putain. En plus, ça fait des dégâts de zone. Ah non, Jake, tu l'as loupé! Ah, yes. J'ai récupéré le goudron. Je crois qu'il y en a encore une, Jake, par contre. Non, il n'y en a plus. Alors, le goudron. Le goudron. Take your pioche et... c'est parti, alors le mieux c'est ici. Là où je suis, messieurs.
On va faire une grosse descente. Bien. Un cadavre gobelin dans la mare. Ah, peut-être. Du coup, faut creuser le plus profond possible. Et attendez bien que le... Là, ça devrait être bon. Attention parce qu'il y a un lock au fond. Plus là, il y en a trois. Alors... Hop, normalement ça devrait être bon. Maintenant, on va au tout début. Et on creuse. Mais tu vas te faire retrouver englué dedans, toi. Ouais, mais c'est fait exprès. En fait, c'est le liquide, il va couler, en fait. Alors certes, j'aurai du goudron, mais au moins, si vous venez voir à la mare, la mare, elle va se vider au fur et à mesure. Vous pouvez voir, le liquide, il baisse. Ah oui. Et en fait, hop, en faisant ça, il faut creuser encore un peu. Là, merde. Voilà. Tu vois là, hop, on a récupéré un peu de goudron. Sur ta droite. Et là, en fait, il faut refaire un autre puits. Pour celui-ci. En fait, il vaut mieux faire. On ne ferait pas creuser de là à là. Bah, parce que lui, on peut. Mais je sais pas si ça va être assez profond. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce plus simple? Non, t'es obligé. Genre, de... est-ce que c'est pas inflammable? On peut pas genre lancer une torche enflammée et ça crame et ciao? Ou une flèche enflammée? Non, non, j'avais regardé sur le wiki. Le seul moyen, c'est de faire un puits secondaire pour vider la mare. C'est dommage, ça. Ouais, c'est long. Tu vois, genre, là, tu vois, du coup, là, tu vois, Jake, faut attendre que ça se vide. Le souci, c'est que maintenant, on nage. Donc, voilà, il faut que je prenne une potion. Parce que tu nages dans le goudron, littéralement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... En fait, faut continuer où on était, ouais. Ou faire comme Imra, refaire un... Faut revider ici. Et bien sûr, toute la terre qu'on met de la pierre, bah, on peut pas la récupérer parce que après il y a le goudron. Alors du coup, est-ce que ça a baissé? Ouais, c'est bon, le puits là il a baissé. Et à peu près, on chope à peu près une centaine de goudrons par puits. Là, il en reste plein, là où je suis. Ah ouais, t'as des gros pics. Et c'est vrai que, genre là, ce qui est embêtant, c'est que tu vois, l'aiguille, on peut pas la récupérer. Il faut miner pour... Il y avait un trophée d'excroissance en plus. Allez. Voilà, hop. Il faut attendre encore un peu. La pierre, on en a pas besoin. Il veut pas, ah, c'est bon, non? Il veut pas le trophée, non. Encore un. Bon, c'est pas grave. Après, c'est qu'un trophée, on en a déjà. Et je crois qu'on l'a vidé les trois.
Et voilà. C'est bien galère. T'as réussi à avoir le trophée, Guillaume? Non. D'accord, monter. Je crois qu'il y en a encore un là de. Ouais, il y a un gros paquet là. Hop. On a eu un peu, ouais. Bah moi j'en ai récupéré 30, je sais pas pour vous. J'en ai 6. 6 oh. Ça va encore. Mm. Direction le coffre, après du feu, c'est la nuit là. Ouais, je pense qu'on peut faire l'aller-retour pour tourner à la maison. Mm. Hop, j'ai récupéré des plaques de pierre. Il y a des choses qui brillent là. Oula, j'ai eu un. Il y a des piastres ici. J'ai encore un peu de place. Pierre, piastre et piastre. Une piastre, sérieusement. Alors, ça je peux récupérer. De toute façon, j'ai tout mis dans les deux coffres là. Normalement, les autres ils sont vides. Je me suis encombré. Hop. J'ai entendu une flèche. Ouais, je viens de buter un piaf au loin. Je peux même pas le looter, je suis fou. Je récupérerai les plumes après. Alors, hop. Je vous ramène une charrette. Je vais vous les poser devant. Moi je mets tout dedans, comme ça on fait aller-retour plus rapidement. Coffre là-haut, c'est que de la pierre. Moi j'ai tout récupéré des coffres. Il y avait deux coffres normalement. J'ai récupéré, attends je regarde. Ouais c'est bon, j'ai tout récupéré. Mais non, mais fallait laisser la charrette. J'ai l'air du sombre acier. Alors, si jamais il y a 89 pardon, de sombre acier près des portes aux zones. J'en prends un peu. Yes, je suis là aussi. Si le serveur a envie. Voilà. Allez, le serveur. Et j'ai vu le jeter, mais j'ai toujours pas vu le truc pop par contre.
Non plus. Il est bien par terre, mais pour le ramasser. Allez, serveur. Ça me dit pas qu'on les a perdus parce que. J'espère que non. Bah, il y a de grandes chances que oui. Même bug qu'on avait. Ah non, c'est bon, oh la vache. C'est bon, je vais tout récupérer. Ouais, les serveurs ils ont trop du mal là. C'est bon. Genre démarrer tout à l'heure, c'est trop chiant. Je viens de tout récupérer. Bien jouable. Hop, alors je vais déposer la farine d'orge. C'est bien, on en a plein. De... J'ai récupéré normalement 30 par terre. Il devrait plus en avoir. Parfait. Les oignons, ils sont pas encore. Je vais mettre 34 d'orge qu'on a récupéré à mouliner. C'est parfait. C'est quoi qu'il y a? Ah, bah, il y avait un goudron qui est. Ah, j'ai fait tomber un goudron. Hop. Hop, réparons le stuff. On fait dodo avant ou pas? C'est le jour là, non? Non, c'est la nuit. Ah. C'est encore la nuit, après ça devrait pas tarder logiquement là. Ouais, c'est un moment que c'est la nuit. On a fait tous les transferts. Allez, prends le son brassier s'il te plaît, ça va. Ah la vache. Vache, 20 secondes pour prendre 4 son brassier. Ça pique. Hop. Dans la maison, dans la maison. Je crois que le jour il se lève. Tout à fait. On fait les locks à côté du portail et je coupe le stream. Ok. Ça fera à peu près 2h40. Hop, j'ai mon petit confort. Hop. Et du coup, je vous attends au portail. Je crois qu'il y a... Ouais, bah, les locks, c'est juste là. Oui, c'est vrai, il faudrait qu'on ping, du coup... C'est fait. Ah, t'as tout ping? Ok. Non, sérieux. Sérieux? Attaque de loup au moment où je lance la flèche sur le Lox. Alors... Mais il a pas pris, si? Attends, t'es où, toi? Je suis juste en face, je suis là. T'en as pas un gros d'autres? Non. Mais alors, attention, les loups, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, et ils sont chiants. Ça dure longtemps. Ou alors tout à l'heure je me suis pris 3 assauts mais. Je suis bien content qu'on ait l'attaque ici et pas dans la base. Hein. Ah oui, oui. Ah, attention. Ça le Lox
Je vois la fumée bleue, mais il n'y a pas l'air de bouger. Là, je pense que le jeu nous priorise sur la Ouais, je pense aussi. Bah, tant mieux, parce que c'est le Lox plus les loups. Il y a pile au moment où je lance la flèche. Hein. Ah, tiens, il s'est pris des pics. Toujours un qui arrive. Par contre, c'est bon, enfin, ça fait deux fois que quand je suis moi perso dans les plaines, je me tape des attaques de loup. Genre là, lié aux derniers ennemis que t'as frappé normalement. Derniers ennemis. Ah. Parce que là, oui, peut-être. Ah, il y a peut-être les loups des montagnes qu'on a fait tout à l'heure. Il y en a encore. Ils sont où? Encore. Where are they? Allez là. Donc ça, tu vois, je me suis tapé ça, plus 3 lox et 2 gobelins tout à l'heure. C'est comme ça que je suis mort. Il y en a encore un qui arrive, à gauche. Ah bah quand même. Oh le lag. Alors non, un loup ça vole pas. Hein. Ouais, non, c'est... Mais moi j'ai eu zéro problème. Hein. Ouais, c'est bizarre. Tant mieux pour toi. Non, mais c'est bizarre que... Bon, le lox. Sachant qu'il y a des locks des deux côtés, donc voilà. On fait lesquels? Bah y en a un qui est tout seul là-bas. On va faire celui-là, il a l'air solo. Hein. Par contre, il vient pas ou... Pas très combatif. Bon bah apparemment les locks volent aussi. Il crame, il est empoisonné, il prend tout dans sa tronche lui. Hop. Et 4 viandes et 2 peaux. On essaierait... On va faire le troupeau, hein. Et on essaierait pas de les amadouer, peut-être? En ramenant des plaques pierres? Pour tester? Je sais pas ce qui marche. Je sais pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou on tente? Ah, j'en sais rien moi. Je vous le dis. Après, si on en trouvera d'autres. Gros, faut le bloquer. Faut un truc en pierre ou en terre. Non, attends. Je suis en train d'allumer les feux du Gondor. Ah non, si vous n'avez aucun épée, plus... Alors, déposer des murs, de l'orge ou du lin sur le sol pour qu'ils les mangent. Ah ouais, donc c'est pour les apprivoiser, c'est des murs. Les myrtilles? Non, il y a eu encore... Oui, je pense que c'est plutôt des myrtilles, pas des murs. Des quelles couleurs? C'est un logo peut-être. Comment tenir les la mûre des marais? What? Des camémoros à Valheim. Les mûriers des marais se trouvent à divers endroits dans le biome des plaines. Les nelfes ont un aspect caractéristique et des fruits jaunes et charnus. C'est pas des murs, c'est les plaques bières. Attends, c'est si ça ressemble à des plaques bières, c'est que ça doit être ça. Attends, j'essaie de regarder le wiki. Tac, tac, tac. On a 10% de chance de choper un trophée. On peut l'attirer dans une fosse, on creuse une fosse si on l'attire dedans. Le goudron. En vrai, c'est la meilleure strat, hein, je pense, à faire une fosse. Hein. Parce que faire un enclos à pierre, enfin en pierre. Il va le démonter. C'est ça. Training, alors taming. Alors qu'est-ce que. Barley, cloudberries ou flax? Donc barley. Donc c'est. Cloudberries, c'est bien les plaques bières.
Donc c'est soit du lin, soit de l'orge, soit des plaques bières pour les... On a plein de plaques bières, on utilisera ça. Et ils mangent à 4 mètres. Donc on fait quoi? On tente le... On les apprivoiser, ces trois-là? On peut essayer, mais on fait une méga fosse. Je vais aller chercher les plaques bières. Alors attends, parce que si on fait une fosse, il faut pas qu'ils nous entendent. Peut-être plus vers le menhir. Tout à fait. Après, ils mangent à 4 mètres, hein, donc... Mais 4 mètres, c'est... Ah oui, oui, non, ils vont nous voir. Et oui, 4 mètres, c'est un mur de pierre normal. Ah. En vrai, on a grandi le truc de goudron, on le fait là, hein. On va pas s'embêter, si. Ah, après, ça va être embêtant pour les nourrir et tout. Plaque bière. Il y a des loups qui se battent encore, hein, je le dis. Go faire ici en vrai, du coup. Ah bah tiens. Ah, j'ai perdu lui. J'ai pris 143 plaques bière en espérant qu'ils. On en a encore 400. Ils sont où? Ils sont là-bas. Ok, et. Vous êtes où? Vous êtes là? Ah oui! En effet. Ce tombeau sera votre tombeau! Vous voulez creuser autour de. Du truc ou c'est dedans? Non, on fait un trou et on les attire dedans. Mais je sais pas s'ils vont aller dedans. Hein. Bon, j'espère que si. Avec le pathfinding, je sais pas. Hein. Bon, autant ils peuvent pas escalader les choses, mais tomber, je pense que si. Je fais l'entrée. Ah mais du coup il va falloir reboucher l'entrée aussi. L'entrée? Quelle entrée? Là, ici. Qui rentre dedans? Non mais non. Mais on a dit on les faisait tomber dedans. Ils vont pas tomber. Mais... Ils tomberont pas dedans. Sinon ils seraient déjà tombés dans les trucs de goudron. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'aux trucs de goudron? Non. Hop. Ça fait la petite pente, comme c'est pas encore monté. Je crois que ce sera pas mal comme ça. On a quelqu'un du bois pour faire une échelle. J'ai oublié de prendre du bois. Technique du bouquetin. Hop là. Tu peux le faire. Qui veut leur donner à bouffer? Oh, pas moi. Moi je veux pas leur donner à bouffer, je vais les attirer dans le trou. Ils sont 4, un en 3. Bon, bah du coup viens, on va se cacher, Duc. Mais il y a plein de plaques bières en plus ici. Parce que surtout qu'en plus, quand ils font leur AO, ils pètent la pierre, alors... Tu devrais te cacher, Duc, je pense. Non, va dans le trou, Imra. Ouais. Attention, Jack, tu vas prendre l'aggro.
Ah, tu vois. Allez, Michel. Ah. Allez, Michel. Ah, yeah. Cogner la tête. Allez. Ah oui, presque. Allez, allez. Là, il veut pas. Il est bloqué par passionning. Et si on bloque l'entrée avec des murs au pied, des murs, non, ça passera pas. Non. Non, là il va pas passer parce que c'est trop profond. Il est pas loin. Hein. Ouais, mais en fait le jeu il va, il sait pas par où passer, il va pas tomber. Je crois que je l'aggro. Allez, va dans le trou. Alors, faut l'agrandir un peu, je pense, le trou. Eh bien. Ouais, oula, j'ai vu TP. Ouais, il s'est TP. Ouais. Allez, vas-y, viens avec nous, Jack. Je pense qu'il faut monter un peu parce qu'il va pas passer. Allez. Oui. Oui. Par contre, maintenant, oui. Maintenant... Tiens, il s'est refermé derrière. Ouais, bah ouais, c'est ça. Viens avec nous, Jack. Il est là, il est là, il est là. Ouais. Et du coup, faut fermer derrière, c'est ça le pire. Parce que là, il va faire le tour en fait. Même pas de pire pour fermer. C'est chaud. Restez du côté là pour qu'il pète pas la barrière. Mais par contre, faut se cacher, faut pas qu'il nous voit. Ouais, j'ai mis la plaque bière. Hein. Putain, il pète oh, le bois. Oh les dégâts! Ouais, il pète le bois, bah ouais, ouais. Et restez du côté là, comme ça, il va pas y aller. Ouais, mets-toi en sneak. Faut juste rester ici, accroupi et attendre qu'il. Non, il fait le tour. Il fait le tour. Oh non. Non, ça va être compliqué, je pense. Faut faire des murs en pierre. Hein. Mm. Ouais, je le vois voler, c'est un problème. Ouais. Bon, faut recommencer. Bon, faut faire des murs en pierre. Je pense même qu'il va les péter les murs en pierre. Eh bien là. Pour les murs en pierre, il faut le tailleur. Ouais. Ah bon? Ouais, il faut le tailleur obligatoirement, ouais. Donc il faut du fer, des bois précieux. Non, juste du fer, du bois. Eh bien. Fer, bois, pierre. Deux de fer. Eh bien. Vous essayez de le garder? Ouais, j'essaye. Ouais. Pour le moment, il est sur moi. J'essaie de le faire revenir dans le trou. Ouais, ça serait bien si on en ramenait deux, comme ça ils peuvent faire des petits hauts et on est tranquille. Après, une fois qu'ils sont tame, on n'a plus qu'à agrandir la base. Hein. Pas le. Leur terrier. Hein. Allez, viens là. Allez. Arrive à remonter? Oui, c'est juste que je vais activer ma masse d'os. Si tu meurs dedans, c'est pas. C'est juste que j'essaie de le maintenir parce que sinon il va se barrer. Non. Allez, bien, reste ici. Avec masse d'os, ça va encore. Je peux tanker. Tu t'es mis en sneak ou pas? Après, sinon, ramène juste la houe et je remplis de pierre à l'entrée et voilà.
encore plus simple. Hein. D'ailleurs, est dispo, normalement, il y a la distance. Vas-y, faites le mur, je le garde à l'intérieur. Enfin, faites les murs. Si vous voulez. Attention, les bras. Il vient déjà péter les murs là. Doublez-les, hein, je pense que c'est mieux à faire. Vous me dites quand c'est bon que je peux sortir. Vas-y, sors. Sors. Alors, tiens, de la plaque bière. J'ai mis 4 murs. Et je pense qu'il faut partir, lui donner à manger et qu'il nous voit pas. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut partir. Là, et pas de bruit, rien du tout. Vraiment pas de bruit. Je me suis mis en sneak. Et je lui ai donné les plaques. J'ai jeté les plaques bières dedans. En plus, on pourra les utiliser comme monture et tout. Ouais, par contre, là, il tape toujours la pierre. C'est bon, il vient de bouffer les plaques bières, je viens de voir un cœur jaune. Non, faut pas bouger, faut attendre. Et jeter de la bouffe si jamais il y en a plus. J'en ai mis 143. Ah oui, donc c'est bien. Là, il y en a, là. Et je vois encore la bouffe par terre. Donc, Ouais, on faut juste attendre là. Ouais, je crois que ça va être long, hein. Je crois que c'est 30 minutes. Hein. C'est vrai qu'on aurait dû en mettre deux. Parce que là, on va devoir péter le mur de pierre, l'empêcher de sortir et ramener le deuxième. On refera un autre trou à côté avec la même technique. Et quand les deux sont calmés, on rejoint les deux trous. Ah oui, oui. Je pense que c'est mieux à faire, je pense. Parce que là, sinon, le mur. Là, pour le moment, j'ai toujours son nom. Enfin, je veux toujours le. Après le mur, le péter, c'est pas compliqué, hein, au marteau. Hein. Oui, non, mais c'est. Oui, bah là, oui, mais c'est surtout. Si on pète le mur, il va se barrer, quoi. Ah non, il se barre pas, il est apprivoisé. Enfin, il sera apprivoisé. Les sangliers, ils se barraient, hein. Les sangliers, ils partaient de l'enclos, hein. Je vois, il y a encore des plaques bières. En vrai, avec 3 épaisseurs de mur, je pense qu'il va pas faire grand chose. Ah, il a déjà pété en bas quand même. Ah, ouais, il a pété une rangée. Son AOE, elle fait mal. Hein. Je vois encore un cœur jaune. Ah, ça va être long. Hein. J'ai attendu très longtemps en règne pour des sangliers. Alors je pense que lui. Durant plusieurs jours avec de l'orge ou des plaques bières. Ah bah la réponse au prochain stream. Ouais, on va s'arrêter là je pense. Un peu long. Et ben voilà, vous aurez hop. Discussion seule. Bon et bien, bon on a bien avancé quand même. Hein. Tout à fait. Franchement c'était cool. J'aurais pas pensé qu'il y aurait eu beaucoup de campements gobelins là, qu'on a vu tout à l'heure. Avec les trois chamans et tout. On n'a pas fait beaucoup de campements. Par contre, les campements étaient quand même bien habités. Ouais, c'est ça, c'est sportif. Et on a enfin loot le lin. Enfin, on va pouvoir le faire pousser vers notre stuff pour Yaglut. Tout à fait. Bon, et bien. Sur ce, messieurs, bonne soirée. Bonne journée. Ouais. N'hésitez pas à suivre Vivasan Studio sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Vous abonner à la chaîne YouTube et également à la chaîne Twitch si ça vous dit. C'était Draken, JK et moi. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, cordialement. Ciao. Cordialement bisous.